Bienvenue chez moi. Alors, comme prévu et comme demandé par certains, je vais présenter rapidement une bonne douzaine d'ouvrages, un peu plus, qui selon moi doivent être lus pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Ils sont tous en rapport avec les sujets traités dans les vidéos précédentes. Il s'agit dans l'ensemble d'ouvrages de philosophie politique. Alors, deux remarques liminaires à ce sujet. Premièrement, il ne faut pas être intimidé par ce genre de livre. Il faut savoir que la lecture en sciences humaines constitue un effort intellectuel pour tout le monde. Moi, en ce qui me concerne, quand je lis les sciences humaines, je lis en permanence avec un dictionnaire à côté de moi. Je ne comprends pas tout, je m'efforce parfois de lire deux ou trois fois certains passages. C'est un effort requis. Un effort requis de la part de chacun. Donc, pas de complexe vis-à-vis de ce que je vous propose. Deuxièmement, deuxième point, je ne prétends pas qu'après avoir passer une année à lire tout ça, parce qu'il faudra bien une année pour lire tout ça, vous soyez en mesure de changer le monde. Ce que je dis, c'est que vous serez en mesure de comprendre où va le monde. C'est déjà pas mal, c'est déjà énorme, et changer le monde n'est possible a posteriori qu'à partir du moment où un certain nombre de gens, un nombre important de gens, comprennent le monde, ont compris le monde au préalable. Et ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, hors du quotidien de chacun. Ça n'a jamais été le cas d'ailleurs, sauf qu'aujourd'hui, on a les moyens mis à notre disposition. Alors c'est parti. Alors sur la démocratie, dans un premier temps, sur la démocratie, ce que je vous conseille de lire, c'est déjà un effort qui va rebuter certains, c'est Aristote, tout simplement, La Constitution d'Athènes. Alors c'est un ouvrage assez court, c'est un ouvrage primordial que beaucoup de gens ont commenté. C'est un ouvrage qui relate les institutions d'Athènes, c'est-à-dire c'est historique, il n'y a rien de philosophique là-dedans. Enfin bon, je vous conseille la lecture de cet ouvrage afin de comprendre véritablement comment fonctionnait la démocratie athénienne. C'est assez court, c'est un peu rébarbatif, mais c'est pas du tout compliqué à lire. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, Tocqueville, le fameux Tocqueville avec de la démocratie en Amérique. Alors c'est un ouvrage beaucoup plus long, il fait à peu près 8 à 900 pages sur 2 tomes, mais ça c'est très simple, c'est très agréable à lire, c'est le style 18-19e français et c'est vraiment très agréable à lire, je vous le conseille, ou au moins, je sais qu'il existe une version abrégée qui est sortie, n'hésitez pas à l'acheter, vous verrez que c'est passionnant, Tocqueville a très tôt compris comment fonctionner ou comment allait fonctionner la démocratie, entre guillemets, à venir. Alors troisième chose sur la démocratie, Bernard Manin. Bernard Manin, le titre du livre, c'est « Principes du gouvernement représentatif ». C'est un livre qui fait l'unanimité, aussi bien sur Internet, savoir que Étienne Chouard, c'est son livre de chevet. Il a beaucoup fait pour la réédition de ce livre il y a maintenant un peu plus d'un an, avec une postface inédite de l'auteur, il me semble. « Principes du gouvernement représentatif ». Et c'est un livre qui est en même temps très plébiscité dans le milieu universitaire. Les deux, aussi bien le monde de l'Internet que le milieu universitaire, se retrouvent pour dire que c'est un ouvrage majeur. Il y a à peine 300 pages, c'est très simple à lire, c'est limpide, c'est vraiment un ouvrage essentiel à lire. Et enfin, je vous conseille aussi le livre de Francis Dupuy-Déry, qui est un philosophe, historien canadien. Le titre du livre, c'est « Démocratie, histoire politique d'un mot ». Alors, ce livre est fondamental, très important, il est intéressant. Maintenant, c'est écrit par quelqu'un qui est ancré bien à gauche. C'est ce que je lui reprocherai, son côté un peu partisan, à vouloir à tout prix défendre la démocratie contre la République, en oubliant qu'il pourrait lui-même faire le même livre au sujet de la République. C'est-à-dire que le mot « démocratie » a été dévoyé ces 200 dernières années, le mot « République » de la même manière. Et je ferai bientôt une émission là-dessus. Alors, voilà pour ce qui est de la démocratie. Maintenant, pour ce qui est de la justice et des vertus en général, j'en ai déjà parlé, Aristote, son éthique à Nicomaque. Alors là, c'est un peu plus dur, plus difficile d'accès. Il y a de nombreuses, je les ai à peu près toutes, il y a de nombreuses éditions, de la Pléiade qui est très chère, donc je ne vous la conseille pas, jusqu'à l'édition Vrin qui, elle, le problème, c'est que les pages se détachent, se détachent. Donc, je ne vous conseille pas non plus, mais vous avez, je crois, chez Flammarion, ou même en ligne, vous pouvez trouver ça dans une vieille traduction, enfin,
c'est tout à fait accessible. Et je vous conseille en particulier, si vous voulez pas tout lire l'éthique à Nicomaque, je vous conseille le livre 5 consacré à la vertu de justice. Par ailleurs, j'ai écrit un mémoire à ce sujet, un mémoire que j'ai mis en ligne, dans lequel je fais un parallèle entre ce que dit Aristote et la manière dont le récupèrent des penseurs modernes tels que John Rawls ou Martha Nussbaum. Voilà, c'est-à-dire qu'ils font un peu leur marché dans Aristote pour coller à l'idéologie moderne. Ce mémoire est en ligne sur le site Academia, je mettrai tous les liens sous la vidéo. C'est un mémoire qui fait 50 pages, donc ça vaut ce que ça vaut, c'est moi qui l'ai écrit, il a été révisé par mes professeurs. Et je suis bien sûr ouvert, par ailleurs, à toute espèce de critique. Voilà. Alors ensuite, vous avez Albert Hirschman, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les passions et les intérêts », qui est quelque chose de fondamental aussi à écrire. C'est très simple à lire, c'est très simple, enfin c'est pas long à lire. Le livre doit faire à peu près, je crois, 120, 140 pages. C'est vraiment essentiel pour comprendre le basculement entre une logique de la vertu, avec tous les côtés hypocrites que ça comportait, et une logique des intérêts de nos jours. Donc Albert Hirschman, les passions et les intérêts. Je mettrai tout, pareil, je mettrai toutes les références sous la vidéo. Et puis Edouard Bernays, avec son fameux propaganda pour préparer certaines de mes émissions à venir. Donc en lisant Aristote, Hirschman, puis Bernays dans cet ordre-là, on comprend beaucoup de choses, en particulier que le lent accès des masses sur le devant de la scène politique s'est accompagné du triomphe du marketing en lieu et place, justement, de la politique. J'y reviendrai dans d'autres émissions, mais en lisant Aristote, Hirschman, Bernays, on comprend déjà beaucoup de choses. Sur l'individualisme, il y a un ouvrage majeur, qui est celui de Louis Dumont. Ce sont ses essais sur l'individualisme. Louis Dumont a consacré sa vie universitaire à comparer les sociétés holistes et les sociétés individualistes. Donc je conseille la lecture de cet ouvrage. Et par ailleurs, mon second mémoire, qui est le double du précédent, qui est en ligne également, a consisté à mettre en évidence la manière dont l'un des plus grands détracteurs du capitalisme à notre époque, M. Karl Polanyi, qui est mort, hein, il y a une cinquantaine d'années, la manière dont ce monsieur se sert d'Aristote, lui aussi, il fait son marché un peu dans Aristote, pour couper l'herbe sous le pied des capitalistes à l'heure actuelle. Et je me suis intéressé à la manière dont il articulait l'individualisme anthropologique dont il ne voulait pas se déprendre, et là, ce qu'il appelait la justice sociale. Donc la manière dont les modernes récupèrent Aristote pour contrer le capitalisme. Donc j'ai consacré un mémoire là-dessus, il est également en ligne. Alors pour ce qui est à présent du fameux débat entre les anciens et les modernes, il est bon de lire un ancien, toujours Aristote avec les politiques, vous aurez une vision claire de ce qu'il entend lui par démocratie, et un moderne qui est Rousseau, à mes yeux le moderne le plus conséquent, le plus intéressant, avec son fameux contrat social. Lisez les deux. Alors Rousseau, c'est en plus très bien écrit, c'est agréable à lire parce que c'est non seulement un philosophe, mais en plus un grand auteur, ce qui n'enlève rien au plaisir. Donc lisez ces deux ouvrages, Les politiques pour Aristote, Le contrat social pour Rousseau, et ça vous permettra de mettre en parallèle les deux visions, la vision des anciens et la vision des modernes. Pour ce qui est de la rupture entre les deux, il y a un tout petit opuscule de Benjamin Constant qui s'intitule « De la liberté des anciens comparée à celle des modernes ». Et cet ouvrage montre très clairement que, comme je le disais dans une précédente vidéo, Benjamin Constant incite, il y a deux siècles de ça, à faire le deuil, si c'est contemporain, à faire le deuil de ce que j'appelais « liberté positive des anciens » dans une précédente vidéo, et à assumer pleinement les libertés négatives. Aujourd'hui, on en revient. Mais cet ouvrage est fondamental pour comprendre la rupture entre les deux. Et j'ajouterai peut-être aussi « La cité antique » de Fustel de Coulanges, alors qui est un ouvrage proprement historique, pas du tout philosophique, qui est très intéressant. Alors j'en ajoute deux pour le plaisir. Le premier, pour comprendre Aristote, un ouvrage qui s'intitule « La philosophie d'Aristote » paru au PUF, qui regroupe quatre études de quatre
penseurs différents, quatre philosophes différents, qui se sont tous les quatre attachés à la compréhension des textes d'Aristote. Il y a une étude consacrée à la métaphysique, une étude à la politique, à l'éthique, etc. Enfin, ça vous permettra, en complément de la lecture d'Aristote lui-même, de mieux comprendre ce philosophe qui est pour moi si important pour le siècle à venir. N'ayons pas peur des mots. Et pour finir, alors je disais que je ne me faisais pas de publicité, mais enfin quand même là, je peux quand même en parler. Mon propre livre, Le miroir des peuples, paru cette année, qui est un ouvrage qui recense, qui regroupe toutes les études, tous les thèmes que je propose en vidéo et tous ceux que je proposerai dans les mois à venir en vidéo, qui les articulent entre eux. J'essaye de faire la synthèse de tout ceci. L'ouvrage se partage en deux parties. Une première partie consacrée à la genèse d'un processus de massification, et une critique en parallèle du régime politique actuel, et une deuxième partie consacrée à la reconstruction d'un nouveau régime politique. Donc voilà, je vous l'ai dit, tous les thèmes que j'aborde dans mes vidéos se retrouvent dans cet ouvrage. Donc avec tout ça, il y a de quoi tenir une bonne année de lecture. Pour ma part, je vous retrouve très prochainement avec, dans l'ordre pour ce qui est du programme, une première émission consacrée à la République. J'y tiens depuis le début, je vais enfin consacrer cette émission à la République. J'en ferai une deuxième, alors un diptyque, comme j'ai fait un diptyque entre progrès et révolution, un diptyque entre religion et laïcité, j'en ferai un entre morale et ingénierie sociale, je vous montrerai comment j'articule l'un et l'autre, et puis ça nous amène début février, j'en consacrerai une, je pense, à l'idée de culture à notre époque, ce qui est devenu la culture. Donc, je vous remercie pour votre écoute, n'hésitez pas à lire tout ce que je mettrai comme référence en dessous la vidéo, et je vous dis à très vite.